Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez puissamment bénis dans les noms glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse puissamment. Que l'Éternel bénisse vos familles respectives. Que l'Éternel se souvienne de chacun d'entre vous, qui veille sur vous et qui vous donne ce que vos cœurs désirent selon sa volonté parfaite. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons recommander le mois de juillet car nous rentrons dans un nouveau mois. Nous allons recommander le mois de juillet dans les mains du Seigneur. Que l'Éternel nous fasse grâce pour le septième mois car c'est le premier mois quand même de la moitié de l'année. Voilà. C'est le premier mois de la moitié de l'année, donc c'est très important le septième mois. Donc nous allons demander, nous allons mettre tout dans la main du Seigneur, que l'Éternel nous fasse grâce et que nous puissions témoigner sa gloire dans nos vies. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Nous allons louer notre Dieu. Je vais augmenter un peu le volume. Nous allons y arriver. Hein? Excusez-moi, vraiment, je me débrouille avec ce que j'aime et ça va aller. Allons sur l'autre bord. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour les ciels ouverts dans la vie de tout un chacun. Oh, bien-aimé. Louons notre Dieu car il mérite notre louange. Il mérite notre adoration. Adorons-le. Adorons notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour les écluses des cieux qui sont ouvertes dans nos vies. Merci Seigneur pour les ciels ouverts. Merci pour les ciels ouverts. Merci pour les ciels ouverts. Merci Seigneur car tu nous laves, tu nous purifies par ton sang. Que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie. Que ton sang enlève tout péché conscient et inconscient. Si nous avons péché contre toi, Seigneur, consciemment ou inconsciemment, si nous avons péché contre toi, même par nos bouches, avec nos yeux, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos péchés. Pardonne nos transgressions. Pardonne les péchés même des ancêtres dans nos vies, ô Seigneur. Souviens-toi de nous, lave-nous, purifie-nous par ton sang. Nous voulons être propres devant toi. Nous voulons être agréables devant toi. Nous voulons être blanches comme de la neige devant toi. Merci Seigneur pour le sang qui a coulé pour moi, le sang qui a coulé pour nous tous. Alléluia. Merci pour ce sang qui coule dans nos veines, qui coule dans nos situations, qui nous lave, qui nous purifie. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui crie à notre faveur. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour l'Esprit de Dieu. Entoure-nous de ta muraille de feu. Viens nous entourer de ta muraille de feu, l'Esprit de Dieu. Merci pour le Saint-Esprit. Manifeste ta puissance. Manifeste ta grandeur. Merci pour l'Esprit de Dieu. Car tu viens glorifier le notre Seigneur. Tu viens glorifier le nom de notre Seigneur. Tu viens glorifier le nom de Jésus-Christ. Viens glorifier le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Prends place dans mon âme. Prends place dans mon esprit. Prends place dans mon âme, dans mon corps, âme, esprit. Prends place dans ma bouche. Parle à ma place. Prends place dans ma bouche. Parle à ma place. Intercède à ma place. Merci l'Esprit de Dieu. Tu intercèdes maintenant. Tu intercèdes maintenant. C'est toi qui intercèdes auprès du Père. Merci pour les ciels ouverts. Merci pour les ciels ouverts. Sans toi, nous sommes rien. Merci l'Esprit de Dieu. Tu ramènes des miracles, des prodiges, des témoignages dans nos vies. Merci Saint-Esprit, car tu nous entoures. Tu nous entoures par ta muraille de feu. 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 Viens Saint-Esprit, agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Parle, parle Saint-Esprit. Parle avec ton peuple. Parle avec ton peuple. Par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Merci l'Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci Yahweh. Merci Jésus. Nous allons bien aimer. Nous n'allons pas traîner vraiment. C'est contre ma volonté. Comme je vous ai expliqué, c'est pas facile quand c'est pas en direct.
Donc, je fais vraiment vite, vite, vite à chaque fois, ce qui n'est pas très agréable. Pour cela, nous avons besoin de vos participations, de vos partages. Et aimez la vidéo, abonnez-vous massivement afin que nous puissions avoir plus de monde et faire les directs. Et nous espérons aussi acheter une caméra dont nous avons partagé comment il faut faire pour investir dedans pour notre Dieu. Pour acheter une caméra, ce serait plus facile. Donc, c'est en cours. J'ai partagé cela sur le site Porte des Cieux, site Porte des Cieux qui se trouve en France. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Yahweh. Bien-aimés, vous devez vous assurer que vous vivez selon la volonté de notre Dieu afin de ne pas donner d'ouverture au diable. Que la Bible appelle l'accusateur, l'accusateur des frères. Donc, vos prières sont des armes massives contre le royaume de Satan. Contre le royaume de Satan, et si vous cohabitez avec les péchés, vous devez vous repentir. Alléluia, vous devez vous repentir et décider de ne plus jamais y retourner. Ainsi, vous serez positionné en Jésus-Christ. Bien-aimé, merci Seigneur, merci Jésus, merci Papa. Donc, Jésus, notre Dieu, c'est un Dieu de sainteté. C'est un Dieu de sainteté, bien-aimé. Et c'est un Dieu de justice aussi. Il est dans la, enfin là, il faut vivre dans la sainteté et dans la justice quand tu es avec Christ. Tu ne dois pas faire semblant et prendre les choses qui t'arrangent et laisser les restes qui ne t'arrangent pas. Non, tu dois vivre, tu dois les ressembler davantage, tu dois avoir le cœur de Christ, l'esprit de Christ. L'esprit de Dieu doit habiter en toi. Quand Christ habite en toi, excusez-moi, l'ennemi n'a pas sa place. L'ennemi ne peut pas régner, comme j'ai tendance à dire tout le temps. Donc, Jésus, quand tu es avec Jésus, tu dois être dans la sainteté. La sainteté, c'est-à-dire que tu n'es pas dans la fornication, dans les mensonges, dans les vols, etc. Tu n'es pas dans la manipulation, tu n'es pas dans l'adultère. Et voilà, donc c'est ça, vivre dans la sainteté et dans la justice. Et l'ennemi, en ce moment-là, l'ennemi ne pourra pas vous atteindre si vous êtes dans la sainteté. Et vous pourrez prier avec assurance, car la prière d'un juste a une grande efficacité. Donc là, ben, ça, c'est les prières. Bon, moi, on est encore, disons, je commence cette prière-là. C'est comme si on commence les 30 juin. Voilà, la nuit. Et puis ensuite, on enchaîne, comme on rentre dans le mois de juillet. Nous allons lire dans Genèse 8, verset 4, les septièmes mois, les 17e jour du mois. L'arc s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Alléluia. Donc, le fléau est renversé. Le fléau est renversé. Donc, lisez tout. Genèse 8, verset 4. Les septièmes mois, les 17e jour du mois, l'arc s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Donc, c'est les septièmes mois. Comme je vous ai dit, c'est très important. C'est les premiers mois, en fait, de la moitié de l'année. Donc, comme nous avons rendu grâce à Dieu pour sa protection, merci Seigneur pour ta protection durant tous les jours de ces mois, Seigneur mon Dieu, mon roi. Alléluia, nous allons encore les rendre grâce. Merci Yahweh, merci Seigneur, merci Jésus, merci Yahweh pour ta protection divine pour moi, pour ta protection divine pour ma famille, pour mon époux, pour ma femme, durant tous les jours de ces mois. Pour ma famille, côté paternel, côté maternel, pour ma belle famille, ainsi que ma famille spirituelle. Oh Seigneur, Seigneur, nous te demandons encore pardon. Nous te demandons pardon car les psaumes 24 nous disent ceci. C'est lui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. C'est lui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge. Et qui ne jure pas pour tromper. C'est lui qui ne jure pas pour tromper. Il obéira, il obtiendra plutôt la bénédiction de l'Éternel. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Donc, bien-aimés, pardonnez à toute personne pour laquelle nous ressentons. Vous devez pardonner à toutes les personnes que vous ressentez de la rancune. Il ne faut pas garder de la rancune dans votre cœur. Ou de la haine et bénissez la personne avec le salut de Jésus-Christ. J'aime bien bénir les ennemis avec le salut de Jésus-Christ.
que toute plantation des ressentiments bien-aimés, c'est toute rancune dans ton cœur ou des pensées négatives à l'endroit de quiconque doit être déracinée afin de vous libérer vous-même de toute énergie négative et de conserver votre cœur pur. Il faut conserver votre cœur pur. Il faut conserver votre cœur pur. Alléluia, merci Seigneur. Donc sachez que la haine ou la rancune, en fait, c'est des portes ouvertes que Satan utilise souvent. Satan exploite dans notre vie, pour accomplir sa mission de destruction. Donc, et par-dessus tout, le pardon, c'est une instruction divine qui permet à Dieu de nous pardonner également. Voilà. Donc, nous sommes déjà couverts par le sang de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, remplis notre esprit, âme et corps. Saint-Esprit, remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit, âme, corps, esprit. Remplis-nous de ta muraille. Entoure-nous de ta muraille de feu. Saint-Esprit de Dieu, entoure-nous encore avec ta muraille de feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés. C'est bien d'appeler toujours le Saint-Esprit, car sans le Saint-Esprit, nous sommes rien du tout. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. Nous sommes des bons instruments, oui, de Dieu, mais le Saint-Esprit qui agit à travers nous. Alléluia. Saint-Esprit qui agit, c'est lui qui fait toutes choses. Alléluia. Donc, voilà, il faut rester humble. Merci Seigneur, merci Jésus. Éternel, tu as établi ton trône dans les cieux. Dites avec moi, Éternel, tu as établi ton trône dans les cieux et ton règne domine sur toutes choses, mon Père et mon Dieu. Que ton règne domine sur ma vie maintenant. Que ton règne domine sur mon ministère. Que ton règne domine dans mon foyer. Que ton règne domine dans mon travail, dans mes finances, dans chaque domaine de ma vie. Que ton règne domine. Ton règne domine sur ma maison. Que ton règne domine sur mon travail, mes entreprises, mon ministère. Que ton règne domine sur ma vie spirituelle. Éternel, que ta gloire subsiste à jamais et que tu te réjouisses de tes œuvres parfaites dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dites avec moi, bien-aimé. Éternel, je te rends grâce pour tes bontés inépuisables que tu déverses sur ma vie. Que tu déverses sur ma famille, mon foyer, chaque jour. Tu déverses sur ma famille chaque jour, par laquelle je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé, je suis protégé et pourvu à tout égard. Alléluia, je suis en bonne santé, protégé et pourvu à tout égard. Et par lesquels je me tiens debout et vivant. Devant toi, c'est ce soir, loin des attaques du diable et sécurisé, loin des attaques du diable et sécurisé, loin des attaques du diable et sécurisé dans ta présence, au nom de Jésus-Christ. Déclaré Deutéronome 33, versets 27 à 29, en remplaçant Israël par la famille, votre nom, donc le Dieu d'Éternel est un refuge. Et sous ses bras, Éternel est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit, extermine Lévitique Christine. Vous dites votre nom, Lévitique Christine. Vous dites les noms de vos enfants, votre famille, votre mari, Harry, Kaina, Shainez, Amjad, Merveille. Vous citez le nom de vos enfants est en sécurité dans sa demeure au nom de Jésus-Christ. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de moût. Et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Israël ou ta famille, tu répètes encore, Lévitique Christine, Harry, Kaina, Shainez, Amjad, Merveille, dites les noms de votre famille, vos enfants, qui est comme toi, Seigneur, qui est comme toi, un peuple sauvé par Éternel et bouclier, un peuple sauvé par l'Éternel et bouclier plutôt,
le bouclier, tu es notre bouclier, tu es notre bouclier de ton secours, notre bouclier de ton secours, et l'épée de ta gloire, tu es l'épée de notre gloire, tu es l'épée de ta gloire, l'épée de ta gloire, l'épée de ta gloire, Seigneur, tes merveilles dans nos vies. Les ennemis feront défaut devant toi. Nos ennemis de la maison feront défaut devant toi. Nos ennemis de la maison feront défaut devant toi. Alléluia. Nous répétons cela, peuple sauvé par l'Éternel, les boucliers de ton secours. Les boucliers de ton secours. Tu es le bouclier. Le bouclier de ton secours, c'est toi. Et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leurs lieux élevés. Éternel, que mes mains soient puissantes et pendant que je te sers, que mes mains soient puissantes et pendant que je te sers, ô Éternel, bénis ma force, Jésus, bénis ma force et agrée l'œuvre de ma main, agrée l'œuvre de ma main, agrée l'œuvre de ma main, au nom de Jésus-Christ. Éternel, brise les rangs des adversaires, de mon foyer, de mon ministère, de mon travail. Brise, brise les rangs de mes adversaires, de ton évangile, de ta justice, et que tes ennemis ne se relèvent plus au nom de Jésus-Christ. Éternel, rassasie-moi tes faveurs et comble ma vie de tes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Comble ma vie de tes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, le roi des rois, mon Père est mon roi. Mon Père est mon roi. Excusez-moi, mon Père est mon roi. Par ta grâce et ta fidélité, que tes verrous de ma destinée, que tes verrous de ma destinée soient des fers et d'airain, afin que porte reste infranchissable. Par l'ennemi, afin que toute porte soit infranchissable par l'ennemi, dans mon foyer, dans mon ministère, dans mon travail, dans chaque domaine dans ma vie. Père Céleste, par ta faveur sur ma vie, que ma vigueur dure autant que mes jours, autant que mes jours, autant que mes jours, et que la longueur de mes jours demeure toujours sous ton unique contrôle, sous ton unique contrôle, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Père céleste, alléluia, Père céleste, par ta faveur sur ma vie, que ma vigueur dure autant que mes jours, au nom de Jésus-Christ, et que la longueur de mes jours demeure toujours sur ton unique contrôle, au nom de Jésus-Christ. Père céleste, je me tiens à la porte de sortie de ce sixième mois de la grâce et j'élève mon cœur et mon âme vers toi pour te louer et te rendre grâce. Pour les accidents ratés, les tragédies dont tu m'as préservé. Tu as préservé mon époux, nos enfants, pour les attaques dont tu nous as épargnés et les complots de nos ennemis que tu as déjoués, les pièges des méchants que tu as rendu nul contre nous, contre moi, contre mon mari, contre nos enfants. Je te dis merci Père pour toutes mes victoires. Merci pour les victoires que tu m'as données dans mon ministère, dans mon travail, dans mon foyer, dans chaque domaine dans ma vie, dans mon élévation. Et pour la richesse de tes multiples bontés sur ma famille et moi, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, place une barrière de feu à la sortie de ces mois contre toutes les forces diaboliques et leurs programmes maléfiques qui voudront franchir la porte du septième mois. À ma suite, au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, que ton feu dévorant soit mon avant-garde et mon arrière-garde pour consumer tous mes poursuivants maléfiques pendant que je sors de ces mois au nom de Jésus-Christ. Par la croix de Jésus-Christ, je viens renoncer et j'annule toute parole et tout lien qui autorise les esprits méchants à s'attacher à ma suite à la sortie de ces mois qui s'achèvent au nom de Jésus-Christ. Père céleste, que tes anges assignés à ma destinée barrent les passages de tout poursuivant maléfique qui me talonne pour traverser vers ces septième mois. Au nom de Jésus-Christ, dans chaque domaine de ma vie, je déclare, je décrète que Christ est ma vie. Christ est la vie dans la vie de mon mari. Christ est la vie dans la vie de nos enfants. Sors de ces mois de juin 2000,
2020, revêtu de l'armure divine, l'armure divine, complète Seigneur, complète Seigneur, couvert du sang de Jésus-Christ, couvert du sang de Jésus-Christ, habillé de la justice de Christ, entouré des anges divines, entouré des anges divins, recouvert de la faveur de Jésus-Christ, Elohim, mon Dieu. Mon Dieu est mon Père, environne-nous du feu du Saint-Esprit et marque du sceau d'appartenance à Jésus-Christ. Alléluia, mon Rédempteur, mon tout. Alléluia, mon Rédempteur, mon tout. Merci Seigneur, merci Jésus. Tu nous as gardés à l'ombre du Tout-Puissant. Tu nous as gardés à l'ombre du Tout-Puissant.